gardien de but Mazin Ajmenabit, شفنا في البطولة. أبخي كاين الدراري اللي لعبوا في البطولة اللي خرجوا على برا. على هادشي اللي بغيت أنا نفرق هي دي تقولوا البطولة، كاينين اللي لعبوا في البطولة بحال خرجوا على برا وما في المنتخب. مي لو ميور ميساج اللي نقدر نسرد لهم هي يزيدوا يخدموا وإن شاء الله اللي غيستاهل غيكون معانا. مي بور المومون لا كونكورونس إلي تخي إليفي à certains postes, ben, je ne chauffe pas chez Wahdine. Question suivante. Bonjour coach, Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune Canaplus. Je sais que tu es quelqu'un de pragmatique et tu aimes bien avoir des plans A, plans B, plans C en prévision d'éventuelles blessures. D'ailleurs, avec la blessure de Diaz et Ziyech, ne penses-tu pas que Amin Harit, avec son bon début de saison avec Marseille, mériterait sa place? Comme ça, on a ta réponse, on clarifie les choses et on passe à autre chose. Non, non, il pourrait mériter. Il fait un très bon début de saison. Après, moi, j'ai une vision pour le moment actuel qui est que j'ai deux jeunes joueurs à fort potentiel qui ont pour moi un grand futur, Inch'Allah, s'ils continuent à travailler, qui sont Ismaël Saïbari. Il y a Bilal Khannous qui vient de. Il va falloir qu'il digère aussi son transfert à Leicester. Un joueur comme Amine, c'est un joueur qu'on connaît, qui est passé avec Hervé, qui est passé avec Vahid, qui est passé avec moi. Qu'un joueur qui a envie d'avoir une place importante dans l'équipe. Donc voilà, le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Si c'est pour prendre Amin Harit et le laisser sur le banc, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui acceptent cela aujourd'hui de par leur statut. Donc je préfère pour le moment aller sur des joueurs à une grosse évolution, sur qui je crois, sur qui j'ai cru depuis que je suis là, puisque des joueurs comme Isma et comme Bilal, c'est des jeunes joueurs qui depuis 2 ans sont souvent avec nous et qui, je crois, donneront à l'avenir beaucoup au Maroc et qui ont déjà donné beaucoup puisqu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique U23 et ils ont pris une médaille olympique avec le Maroc, ce qu'ont pas fait certains. Donc voilà, pour le moment, c'est ma confiance. Mais Amine, bien sûr qu'il est toujours dans les projets, il est toujours dans la présélection. Et comme tout joueur en sélection, comme j'ai dit pour les joueurs de Botola, il doit continuer à travailler. Le jour où on aura besoin d'Amine, il sera là, j'en suis certain, il donnera le maximum. Pour le moment, c'est une autre option. Mais comme j'ai souvent aussi été en contradiction, peut-être que le prochain rassemblement, Amine sera avec nous, ou peut-être qu'il ne le sera pas, mais en tout cas, la porte, elle est ouverte. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.